Allez, salut à tous, c'est Mafimiso30 et bienvenue pour ce nouvel épisode de ce Let's Play sur la disparition d'Evan Carter. Attention à me réactiver dans deux secondes. Evan Carter. Ah, c'est foutu manivelle. Et la dernière fois, on avait découvert la deuxième zone d'énigme, on va appeler ça comme ça. Oui, zone, c'est ouvert, mais... Oui, on va appeler ça... Zone. Bon, moi, je vais aller voir près de la mer. Attends, moi, je retourne où est-ce qu'il y a seulement le train. Là, je suis seulement en train de retourner où est-ce qu'il y a le train, en fait. La musique m'a l'air fort bizarre, fort excitée. C'est quand même bizarre qu'on... Avec ce foutu manivelle. Qui a disparu. Et je ne pense pas que ce soit un bug quand même. Hein. Non, c'est pas un bug. Je retourne au niveau de. On sait rien faire avec ces boutons là. Non, c'est vraiment rien faire pour appuyer et éteindre. Et en plus, c'est éteindre. Pourquoi pas allumer? Moi je dis ça. Attends. Quoi, stresse pas, tu vas me dire où ce que c'est, et après tu peux stresser. C'est sur la plage où il y a l'eau, il y a manivelle. Ah! Il y a la manivelle! J'arrive, je descends. En fait, il faut que j'aille au niveau du corps et que je descende, c'est ça. Et tu descends là où il y a les cailloux près de l'eau, il y a la manivelle tout près de l'eau. Ok. Je l'avais dit! Manivelle! Tu vois, tu me disais, il faut pas revenir en arrière. Si, bien sûr que oui, qu'il faut retourner en arrière. Manivelle! Et on a actionné, en fait, en appuyant sur. En disant manivelle. On a fait apparaître la manivelle. Sûrement. Parce qu'elle était pas là avant, on avait regardé. Toi, elle est où? Je suis au niveau de l'eau, là. Entre deux cailloux, en fait, c'est justement un endroit où le sol continue un peu entre deux cailloux. Elle est posée par terre. Attends, je regarde. Bien, je dirais plus vers le milieu, en fait. Il y a même une motte. Un caillou. Un gros caillou que tu sais monter dessus. Oui, ben, tu avances vers l'eau. Et tu vas un peu sur la droite. Toi, là, je suis dans l'eau. Je suis dans l'eau, je suis sur la droite. T'as les pieds dans l'eau, ben, tu remontes. Là, je suis sur la droite. Non, sur la gauche. Si t'es dans l'eau et que tu regardes pour revenir sur la terre ferme, c'est à gauche. Ah. Sur la gauche. Elle est par terre. Vraiment au bord de l'eau. Il y a quasi l'eau qui la touche quand ça fait le courant. C'est bizarre, je la vois pas. Attends, j'essaie de bien voir. Comment je pourrais te guider autrement? Ouais, parce que là, je la vois pas. Je suis peut-être aveugle, en fait. Ah, attends. Ah, voilà. Examiner. Manivelle, il y a du sang sur la manivelle. Ouais, prendre. Et du coup, si on retourne là-bas. Ah bah là, moi, je dis, on retourne à l'autorail pour mettre la manivelle sur l'autorail. Non, tu veux dire sur... sur le train. Oui, mais c'est ça, c'est un autorail. Ouais. Mais alors, le système avec cordes et tout bazar, il va avoir quelque chose. Sûrement. Ah, ça, je suis même certain. Sans la corde, pour l'instant, on peut rien faire. Mais par contre, on peut aller mettre la manivelle sur le train. Attends, je retourne au niveau de l'autorail. Ça, c'est sûr et certain. Autorail. Ouais, si on veut, on peut rappuyer. Oui, tu peux revoir le truc. Ah, comme par hasard, maintenant il y a manivelle qui est revenue. Manivelle réparée. Attends, dis rien. Je vais voir. Non, mais je clique pas, j'attends. Bah, attends-moi. De toute façon, j'y arrive bientôt. Courir. Ouais, je cours. Je ne fais que ça courir. T'as pas l'impression qu'il fait brumeux? Enfin, que je veux dire que le ciel il devient plus gris. Ah, au fur et à mesure, seulement que le jeu. Regarde avant, moi, quand je te disais justement l'île après le lac, que c'était tout beau, et que maintenant il y a tout de la fumée autour. Attends, on va voir, manivelle, on appuie sur réparer maintenant. Tourner la manivelle, à répétition. Okay. Sur répétition. Allez. Attends. Par contre, je me recule un peu. Ah oh. Je pense qu'on l'a allumé. On monte. Ouais, là, okay. Je monte. Attends, on va faire tout en même temps quand même. On monte. Entre. Bon, le faire avancer, c'est une mauvaise idée, je pense. En arrière, tu dirais? En avant ou en arrière? Moi, j'irai en arrière. Attends, et au sel en avant? Ouais, en avant ou en arrière? Moi, j'irai en arrière, parce qu'en avant, le train, le pont, il va céder, hein. Ah, mais même en arrière, au moins, on va voir comment ça aurait pu se passer, au fait. Ouais.
Et tu peux, si tu veux, tu peux tourner la caméra pour voir. Oui, je regarde en arrière là-bas. Attends, là, je vais en arrière. Là, je vais toujours en arrière. Schlack. Non, en avant, en avant, en avant. Je veux voir. Attends, je vais. Jambes coupées. Je vais au niveau des jambes coupées pour voir comment ça, que ça se passe. Attends. Là, je vais sortir. Là, je sors au niveau des jambes coupées en fait. Ah non, j'aurais dû avancer encore un peu plus. Attends, je regarde. Pour voir à peu près comment ça aurait pu se passer en fait. C'est vraiment ça, ça lui a roulé dessus. Je regarde. On va voir ça tout de suite. Je vais tester un truc maintenant. Si je... Parce que j'ai mis l'autorail devant le mot autorail. Ouais. Moi je regarde par rapport aux jambes coupées. Je vais encore être tout petit peu avancé. Ah, il monte maintenant avec la manivelle sur l'autorail. Il monte l'autorail. Là où je l'ai posé. Eh ouais. Il monte l'autorail où je l'ai posé. Attends, je vais voir. Donc il faut peut-être le poser à un certain endroit, je sais pas. Là, j'essaie de l'avancer vraiment où ce qui a jambes coupées parce que... Pour voir. Si je le mettais là où il y avait les cordes. Ah ouais, on peut essayer au niveau où ce qu'il y a les cordes. C'est vrai que ce serait pas une mauvaise idée. Pour voir. Mais c'est chaud à diriger en fait. Ouais. Là, je veux dire par rapport à la distance en fait. Après je sais pas si c'est précis. Ah, c'est plus loin en fait. Ouais, ça l'aurait vraiment découpé en fait. C'est bizarre que d'un côté, ouais, je pense qu'il est assez étrange. C'est... À mon avis, il faut s'amuser avec le mot autorail et poser l'autorail quelque part, je pense. Tu crois à ce point-là? Je sais pas, parce que après quand tu en montes, il te le montre, mais là où tu l'as mis. Attends, encore un tout petit peu avancé. Puis voir. Eh, on disait que le jeu était court, mais avec nous, je pense qu'il va être long par contre. Hein. Ouais. On prend tellement notre temps. Attends, je vais aller voir justement au niveau de l'autorail, comme tu dis. Parce que normalement, on le voit, c'est ça. Autorail. Encore un tout petit peu. Maintenant. Ouais, il nous montre ça, il nous montre l'intérieur. Je comprends pas c'est pourquoi il nous montre l'intérieur en fait. Ouais. Bah, sûrement pour dire qu'il faut le diriger, mais... Attends, encore un petit peu... Il me manque encore une jambe. Toi tu dirais... De encore reculer ou d'avancer? Ah, je suis allé jusqu'au bout. Moi j'avancerai bien quand même. Tu sais quoi? Moi j'avance. En avant, tout. Va te suicider dans le train. Je vais me suicider. On s'est pas suicidé, t'as oublié. Adieu. Tayo, moi j'avance. Ça se peut, je vais être bloqué au bout d'un moment. Tayo. Je poursuis. C'est bien, c'est que ça résiste bien pour un truc ainsi. Ah, ça résiste bien. Je pense qu'au bout d'un moment, on va être bloqué. On va voir. Ouais. Ok, je suis sorti de là. Mais au bout d'un moment, je pense que t'es bloqué. Et tu peux plus avancer. Oh, la tâche, elle s'est encore plus agrandie maintenant. Maintenant tu vas voir le corps. Ah, je vais aller voir, attends. Mais j'y vais avec le train, forcément. Parce que... Donc, à mon avis, c'est ça qu'on a fait. Ça a fait quelque chose. Mais attends, puisqu'on peut l'utiliser, on va dire qu'il n'y a rien à faire avec. Hein. Ouais. Il y a sûrement quand même quelque chose à faire avec. Hein. En fait, l'éteindre, tu peux l'éteindre et refaire retourner la manivelle si tu veux. Oh, c'est juste ça, en fait, éteindre. J'ai bien fait de pas l'appuyer. J'étais tenté, en fait. Hein.
À un moment, j'étais tenté de quitter. On va aller voir le corps. Donc tu dis que la tâche, elle s'est encore plus agrandie. Ouais. Ah ouais, ça prend franchement bien agrandi. Là, on voit totalement... Attends, on va voir comme ça. Je tente des trucs aussi. Elle est quand même de plus en plus grande. Et moi, je tente de voir quand même parce que tu peux voir aussi ce qui se passe ailleurs. Ouais. Donc, t'as bouton de toucher. On voit le train, mais c'est où ce que je l'ai posé, moi, quoi. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, moi, je l'ai mis derrière le mot manivelle, derrière le mot autorail. Ouais. Et si tu regardes devant toi, enfin, fonctionne plus, tu dois regarder où il y a l'autorail pour pouvoir faire maintenir. Eh ouais. Et l'autre côté, attends, je vais aller voir de l'autre côté. Je vais voir ici. On va voir un truc à faire avec le jerrycan et les cordes. Il n'y a rien. Non. Mais on s'approche parce que t'as bien vu qu'avec, comme avec le truc qu'on a créé. Ah oui, il y a toujours jerrycan. On a fait autorail. Et les cordes. Il manque. Attention, on va encore reculer un peu avec le truc. Moi, en tout cas, je vais encore reculer un peu. Moi, je l'ai reculé au bout. Jusqu'à fond. Ouais. T'as tenté où ce qu'il y avait le mot jerrycan et tout ça? Oh, je me suis pas mis dessus, mais attends, je vais essayer. Non, j'y vais. T'inquiète. Tu prends enfin. Bah, tu peux le faire aussi si tu veux pour être sûr. C'est peut-être sûrement pour nous aider à visualiser ce qu'il y a eu. Ah ouais, tu dois vraiment viser autorail pour le voir en fait. La cinématique. Et attends, moi je l'ai posé à côté du jerrycan. Ouais. Et ça a fait un beau bizarre quand je suis descendu. À côté, pourtant je l'ai fait à côté du jerrycan. Je pense que le mot autorail a disparu. Non, pour moi il a pas disparu moi. Tu l'as vraiment, t'es allé et tu t'es arrêté à côté. Quoi? Ok, j'ai eu le bruit bizarre. Le coup. Ouais. Alors, est-ce que c'est plus grand maintenant? On va aller voir, mais le mot autorail. C'est complet, c'est complet. Ah, ok, j'y vais. Ah ouais. Du coup, on va revoir. D'accord, ok, maintenant on va revoir. Attention, on se tait. Attends, on se tait les gens pour eux. Bien apprécié. Ah, on peut avancer en fait. Ah, ouais, on avance en fait. D'accord. D'accord, les trucs bleus en fait, ils vont nous montrer des scènes. Attends, je vais. Attends. Je suis un des trucs bleus. Je suis premier où ce qu'il y a. Et alors, on voit le corps, un petit gamin et un vieux avec la manivelle. Ah non, moi je suis au niveau du où ce qu'il s'est fait tuer, au fait. Enfin où ce qu'on lui a coupé ses jambes au fait. Ah, et avant sur le chemin entre le corps et les rails, t'as pas vu? Ah merde, attends. Ah ouais, où ce qu'il y a le corps? C'est un vieux. Ah, c'est un vieux alors qu'il l'aurait. Et le vieux il a la manivelle en main. Ouais, donc c'est lui qui aurait fait ça. Et il y a un petit gamin qui a agenouillé. Un petit gamin qui a agenouillé. Le gars on lui avait déjà coupé et le vieux il est là avec sa manivelle. Tac, il aurait rampé. L'enfant, il est plus là où ce que quand il est mort, en fait. Ouais. Tac. Alors là où il y a ses jambes coupées, il a apeuré. Attends, il y en a un autre aussi quand t'avances aussi. Là où il y a les cordes. Non, encore après. Où il y a le corps de base. J'avais raison. C'est le type qu'on cherche. Regarde quand t'es où ce qu'il y a le train. Au niveau du train. T'as le vieux qui cache, je pense, la manivelle. Et t'as Ethan. Evans. Ethan ou Evans? Je sais plus, pas soit. Attends, non, alors attends, je suis là où on a posé le caillou. Le vieux prend le caillou.
Ah ouais, il faut vraiment retourner par là en fait. Faut commencer, comme j'avais dit, le début c'est vraiment la fin en fait. Mais en fait c'est ça, il fallait poser le train, enfin le monorail sur le mot monorail. Ok, le vieux prend... Prend le caillou. Il prend le caillou, puis on ensuite, a... Ensuite... Là où il y a le jerrycan. Où est-ce qu'il y a... Le mec... Ah, attends, je regarde s'il a le jerrycan en main. Non, il a pas le jerrycan. Non, il a le caillou en main. Il cache le caillou derrière lui. Tac, 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 qui le regarde. Il se dit, ouais, ok, what's up, bro. What's up, ouais. Tac. Puis... T'avances là où il y avait les jambes coupées. Hop, schlack. Non, il a apeuré, là. Yeah, ouais. Et là où il y avait la corde... Attends, parce que... Ouais. Là où il y avait la corde, il y a le petit gamin qui est attaché. T'en appuies pas sur chronologie, hein. Sinon ça va déclencher un truc, hein. Ouais. Ah ouais, t'as le gamin qui est attaché, donc l'autre... Pourquoi il a peuré? Ses jambes, ils sont pas encore coupées, là. Non, ils sont pas encore coupés, on le voit. Oh, on le voit au moment où il a les jambes coupées, c'est quand il y a le vieux et le gamin à côté de lui. Quand il rampe. Chronologie... Attends, on appuie pas sur chronologie. Ah, chronologie, il faut marquer le sens chronologique des choses, en fait. Ah, dire... Ce serait pour nous quoi, quoi? C'est quoi le premier? Le deuxième, le troisième, le quatrième? Bon, le premier, ça, c'est au bout, non? Non, attends. J'en sais rien, attends. Où est-ce que ça pourrait être le premier? Mais le petit gamin, il est détaché, après. Enfin... C'est le mec qui a les jambes coupées qui attache le gamin, on dirait. Je sais pas si tu... C'est pas le vieux qui a le gars qui est à côté du gamin attaché par terre. Non, c'est le type qu'on a ses jambes coupées, ouais. Mais c'est pas logique, en fait. Ça a pas de sens, en fait. Ouais. Puisqu'après, il a les jambes... Le gamin... Ça pourrait commencer où? Je vois pas où est-ce que ça pourrait commencer. Le gamin est là. Moi je dirais... Attends, hein. Je donne mon idée. Hein. Ouais, ouais. Le mec attache le gamin. Puis il s'en va. Puis il va vers le monorail. Et alors là, le vieux, à mon avis c'est un de la famille du gamin, va essayer de tuer le mec parce qu'il a accroché le gamin sur les rails. Tant qu'on l'a fait là. Non, non, mais donc la chronologie, le mec attache le gamin. Du coup, attends, c'est où ce qu'il y a le gamin attaché, tu dirais? Ouais, en premier, je dirais. Et où ce qu'il y a, qui a éteint Evan Carter? C'est ça? Bah bon, c'est pas si c'est Evan Carter. Moi, je dis que c'est lui. Je suis pas sûr, c'est un petit gamin, justement, comme le gamin qui est attaché par terre. Du coup... Moi, je dirais qu'Ethan Carter, c'est le petit gamin qui est attaché sur les rails, hein, qui, non, 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 en non, fait, parce n'est que pas mort. Hein. La jaquette du jeu, en fait. C'est par rapport à ça que je te parle. Ouais, mais t'en sais rien, hein. Tu sais pas si c'est vraiment Ethan qui est sur la jaquette. Hein. Je sais rien. Du coup, attends, premier c'est avec l'enfant attaché, tu dirais. Ouais, moi je dirais, donc on okay. Fait marquer. Marquer. Un. Ouais. Du coup, après. Après, je dirais, bah, c'est quand il a apeuré, enfin... Quand il a apeuré? Non, 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 j'irai... Après, c'est le vieux qui va ramasser le caillou. Ok, attends, on va où est-ce qu'il y a le caillou. Oui, je pense savoir compris, ok. Le vieux où est-ce qu'il y a le caillou. Puis, c'est à côté du rail, du monorail. Où est-ce qu'il le se parle, qui, ouais. Le vieux qui cache le caillou. Tac. Puis, apeuré. Apeuré, ou alors c'est qui s'évanouit de son coup sur la tête. Il n'y a pas de marque, mais enfin, c'est toi. Ouais. Ensuite, bah, c'est le vieux et le petit qui le regardent en train de ramper. Ouais. Et après, bah, c'est il est mort et le vieux qui le regarde. Après, tu peux visualiser. Visualiser. C'est parti. On va voir. Listen to me. We can destroy it. I know how. Attends, chut. You can't destroy it, Ethan. Ah non, c'est très vite, ça. You can't destroy time. Tu vois, Ethan, c'est le petit gamin. Ah, d'accord. Attends, chut. On va voir. Tac, le vieux. Qui ramasse le caillou. Gail. Honey. Ed. I wish there was another way. Gail. C'est le truc qui était marqué, ouais, attends. Tell me where Ethan is. Ethan. Now, ouais, I'm Ethan. Giving the sleeper what he wants. What all of us want. Look, old man, you need to go home. En fait, il voulait... C'est...
Il voulait tuer Ethan. Ouais, ouais. On pensait que c'était l'inverse. Moi, je pensais que c'était le vieux, que c'était le méchant, mais... Tac, bam, il est... Le coup sur la tête, voilà. Non, bam. Il lui coupe ses jambes. Ouais, il va couper ses jambes. Du coup, il détache l'enfant, ça on le voit pas, mais il détache. Il se casse, le gamin se casse. Après, il le regarde. Et là, il va le frapper sur la tête. Close your eyes. Voilà, ok. Est-ce que c'était ça? Ouais, je pense que c'était ça le scénario. Pourquoi tu penses que c'était ça? C'est quoi cette lumière bleue encore? Elles se remettent ensemble. Oui, mais après elle s'en va. Elle va dans le ciel. Elle continue vers la plage. Merde, elle descend. Ah, attends, on continue. Ah oui, il y a encore un truc. Ouais, ouais. Il y a un truc. Grandpa? Papy, ne t'approche pas. Je suis désolé. Not because of wisdom or experience. Because the old are tired. Their hate is less useful. D'accord. Au fait, on dirait qu'il y a quelque chose dans leur tête qui va pas et qu'ils veulent qu'ils tuent. Ça aurait à voir avec le... Attends, t'es toujours au même endroit? Non. Attends, je suis remonté, mais je redescends si tu veux. Retourne. Ouais. Je suis au même endroit. Je suis exactement... Tu vois l'île après le lac? Il y a le lac et il y a une île, ouais. Regarde, il y a un truc rouge qui clignote, je pense. Attends, t'es descendu ou... Non, je regarde l'île. De l'autre côté de l'eau. Dans les bois, il y a un truc qui clignote au milieu, rouge. Non, moi je vois rien qui clignote. Ah, maintenant, je sais pas si c'est un bug graphique ou si c'est vrai. Non, il y a rien qui clignote pour moi. Moi je vois un truc rouge qui clignote, mais c'est peut-être un bug graphique. Attends, je m'approche. Je vais vers l'eau. Non, il y a rien qui clignote pour moi. Ah ouais, non. Attends. Oui, je vois un truc qui clignote. En rouge? Ouais. Sur la gauche un petit peu. Mais est-ce que c'est comme tu dis un... Non, c'est pas un bug graphique. Je sais pas, parce que des fois quand je m'approche quand je me mets à un certain endroit, ça se voit plus. Attends, moi je vois où ce qu'il est exactement, donc je suis en train de remonter et je le vois toujours. Mais il y a un truc rouge qui clignote là-bas, on verra quand on sera là-bas. Je suppose qu'il y a un pont dont on va y accéder. Donc on peut dire que cette zone est finie. Je pense. On a eu l'explication de ce qu'il y a eu. Bon, c'était pas un texte cette fois-ci, c'était une cinématique. Et quand on essaie de retoucher, attends, je vais essayer de retoucher. Ah, attends, est-ce qu'on refait la séquence? Listen to me. We can destroy it. Ok, après, ouais, après tu refais le même en fait. Tu revois les séquences en fait, une à une. Tac. T'approches pas. I'm sick too. Et t'as vu quand même le du dormeur, premier coup, voilà, hein. Le dormeur. Je sens le dormeur dans ma tête. T'as vu quand même du premier coup, j'ai réussi à refaire le puzzle dans le bon sens. Ouais. Le dormeur en fait. C'est le dormeur en fait. On verra ce que c'est plus tard, je suppose. Attendez, là je vais vous faire une petite ellipse. On va avoir le temps de la vidéo. Puis peut-être se laisser là. Sur ce, je vous dis à tout de suite, les gens. Oh ben, on va pouvoir se laisser là. On va pouvoir après, ensuite, dire le prochain épisode continuer. Ah ouais, hein. Je pense qu'on va pas trop lentement en fait, réellement là. Je pense qu'on va dans l'ordre des choses en fait. Je pense aussi.
Sur ce... Oui, en fait, si tu veux savoir comment on sauvegarde, tu te poses la question. Si tu regardes en bas à droite, t'as trois petits points qui se font. Et là, je viens de refaire, comme tu as fait, maintenir et qu'on revoit les séquences. J'ai les trois petits points qui se sont faits. Ouais, du coup, prochaine fois, on reprendra de là. Vu que là, on va s'arrêter un petit peu. Après, on va reprendre, mais on va continuer. Ok. Sur ce, n'hésitez pas à commenter pour dire votre avis et à laisser un petit j'aime pour faire connaître ce Let's Play qui en vaut vraiment le coup pour l'immersion. Oui, et pour l'histoire et tout, ça a l'air... Bien, franchement, pour l'instant, je suis pas déçu. Voilà, et les énigmes et tout, au moins ça demande de chercher, à réfléchir. C'est un autre style de jeu, quoi. Et le fait, pour l'instant, je kiffe le fait de le faire à deux. Franchement, c'est assez kiffant. C'est sûr que... Et en même temps, tu m'aurais pas eu, hein. Il y a beaucoup de trucs que t'aurais loupé, hein. Ou t'aurais tourné un rang, hein. Ah ouais. Mais ça, c'est assez kiffant, je trouve, quand même. Sur ce... Ouais, mais là, je suis trop fort, quand même. J'ai trouvé la séquence dans le bon sens. Ça va. Dès la première. Ça va, te la pète pas trop non plus. Je le savais aussi. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et surtout, portez-vous bien. Oh yeah.